Bienvenue sur ma chaîne Viva, je suis encore très ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Alors mes chéris, aujourd'hui on va parler de Nicki Minaj. Nicki Minaj pleure dans l'interview lorsqu'elle commence de parler de Cardi B. Alors je vais vous laisser écouter la vidéo et puis je reviens avec mes commentaires. Texted me and he said, is it okay to put Cardi on it? And I still have the text in my phone where I said, yeah, let's do it. And that's the only story I told. You know, I said exactly how it came about. And when it was time to clear the air about that, no one did that. You know, everybody, all of them allowed me to look like I lied. And, you know, even with the scheduling conflict, she's using my hairdresser now. So even he can attest to the fact, Tokyo, he knows that there really was a scheduling conflict and it was because of him. He's the one that couldn't show up. And I texted him, I said, you know that if I don't show up the day she's shooting, they're gonna act like it's because I'm doing it to be mean. You know, with the current Nicki hate train. And he wasn't able to come, you know, he had something to do and that's fine. So I had to shoot on another day. They all knew that. Especially if you're using my hairdresser now. He can attest to that. And you still did interviews and y'all all still jumped around that. And just to paint Nicki as the bad person so that you could play the victim. And that really, really hurt me. And that, because I really fully supported her. And up until this recent interview that she did, I had never seen her show me genuine love in an interview. And I could just imagine how many girls wish they could have been on a song with Nicki Minaj. And I mean, I'm not saying it in a cocky way, but I'm not saying that in a cocky way. I'm saying it like the first thing out of your mouth when someone asks. Quand je vous dis que Nicki Minaj est en train de pleurer, oui, elle est en train de pleurer. C'est parce que je ne peux pas mettre l'image. C'était dans la radio. Elle est en train de pleurer sur l'interview, sur le plateau. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'invente parce qu'il y a deux ou trois de vous qui ont eu le plaisir de me dire toujours « Tu es en train de mentir. Chloé n'est pas à l'hôpital. » Tata Pou est gentil, hein? Tata Pou est gentil. Hein? Alors, moi, ce que je pense que non, Nicki doit juste se ressaisir. Elle a l'album qui sort bientôt. Elle n'a qu'à jouer sa musique. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'il y ait vraiment des conflits entre elle et Cardi B. Et je suis aussi un peu déçue de Cardi B parce qu'elle devait quand même venir et dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous avez entendu Nicki dire que Cardi a pris même la personne qui fait le cheveu de Nicki, donc son styliste, donc coiffeuse ou coiffeur, je ne sais pas. L'ancien coiffeur ou coiffeuse de Nicki maintenant travaille avec Cardi B et Nicki dit que non, c'est pas qu'elle a refusé de faire les clips avec Cardi B, les clips de rap que Cardi B a fait avec Amigo, elle n'a pas refusé de faire ça, c'est juste que non, il y avait conflit de schedule et aussi, comme on a parlé beaucoup de karma sur ma chaîne, on va aussi adresser ça. Nicki aussi a manqué beaucoup de respect à Lil Kim. Elle a trouvé Lil Kim et lorsqu'elle est venue, elle a commencé aussi à faire de trucs contre Lil Kim. Donc, qu'elle ne soit pas aussi étonnée que Cardi B fasse la même chose. Mais c'est juste que non, les fans aiment toujours diviser. Mais c'est à eux, elles sont des grandes filles, elles savent ce qu'elles vont faire. Nicki est, 36 ans, elle aura 36 ans cette année. Je sais que Cardi B, c'est vraiment une petite sœur. Donc, non, je pense qu'elles vont juste s'en sortir fine parce qu'elle aussi, elle a fait ça. Et Lil Kim est toujours en vie, elle n'était pas morte. Donc Nicki aussi sera toujours en vie, qu'elle continue seulement à faire sa musique. Alors dites-moi en bas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez que Nicki Minaj, elle pleure, c'est juste les hormones de la grossesse? Ou elle pleure vraiment parce que she was very, 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 elle a été
hurt, comme on dit dessus par Cardi B. Alors, j'aimerais lire vos opinions en bas. N'hésitez pas à vous souscrire, like it, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!